Ah oui, donc le dernier épisode, en fait, il a duré plus d'une heure. Donc je vais le couper en deux, ça fera deux épisodes. Voilà, on en a déjà trois. Là, c'est mon quatrième. Alors, faut vraiment que je le trouve dans mon planning où mettre du Civ 6. En tout cas, c'est pas mal, hein. Là, j'aime bien le jeu, en fait. J'aime beaucoup. Vous. Allez en haut, s'il vous plaît. Vous pouvez pas construire des choses. Genre, vous avez pas de bâtisseur en plus, hein. Go en créer, quoi. Ah, c'est bien ce que je pensais. Vous allez en haut. Bâtisseur. Ah, mais non, vous êtes des bâtisseurs. Mais putain, mec, que je suis con. Vas-y, il va faire un sphinx. Vas-y, on va faire une mine. Allez, va le tuer, lui. Ah oh non, j'aurais dû les faire eux. Mais ils ont pas assez de vie. Toi, vas-y, va là. Promotion disponible. Ok, on va prendre ça plutôt. Alors là, on va plutôt prendre des archers parce qu'on n'en a plus. On va vous promouvoir. Mais non, ça sert à rien parce que vous allez peut-être mourir. Vous allez plutôt vous mettre, voilà, là. Hop, avance. Oh putain! Ah mais c'était mon unité! J'avais pas compris. Bah ouais, hein. Obligé, hein. Allez, ça dégage. Oh putain, mais c'est pas possible, il y en a partout! Vous, avancez. Vous. Vous êtes bâtisseur, ben là. Vous préférez faire un sphinx? Il recommandait. Pourquoi pas aller. Bâtisseur, là, vous. Vous pouvez aller là. Hein. Ici, j'ai un bâtisseur. Oh, j'en ai trop de bâtisseurs. J'en ai trop fait. Pourrait aller là après. Ici, est-ce que vous pourrez me créer par contre en catapulte? Why not? Excusez-moi, mais ce jeu il est tellement bien, je suis en train de focus le jeu. Ah, tu as osé me toucher? Qu'est-ce que t'as cru toi? Ah merde, ça n'a pas totalement terrassé. Allez, j'arrive. Vas-y, monte. On va faire ça. Écoutez. Non, on va faire ça. Bâtisseur, toi tu vas aller ici. Mec, tu vas nous construire un truc. Toi, tu peux pas nous construire quelque chose? Bah non, j'ai pas assez. J'ai tout pris. Oh là 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 là. Bon, faudra apprendre un peu à gérer tout ça. Archer. Parfait, vous allez par là. Par contre, l'empire de Ur, il est en train de s'agrandir et ça m'inquiète, quoi. Alors, qu'est-ce qui est mieux? Les mathématiques. Apprenons ça. Alors, ici, stratégie défensive, guerrier, bâtisseur. Y a pas un petit truc en haut? Zone industrielle, go, on va faire ça.
On va le mettre là. Vous affrontez-les. Oui, je vais vous affronter, vous. Voilà, comme ça c'est fait. Et eux, je peux pas les toucher? Ah, si, parce que j'ai pris leur truc. Ok, on va descendre, parce qu'en bas, il y a aussi les mêmes choses. Vas-y, supprime ça. Oh là 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 là. Ah, ok, tu es allé dans les chemins. On peut pas supprimer les unités. Vas-y, on va les tuer eux. Et voilà, c'est fait. Mais il est hyper intelligent en fait. Par contre, il est en train de tout prendre quoi. Ça m'inquiète. Vas-y, on va l'attaquer par en dessous en même temps. Fonction publique. Mythique, tradition navale. Ok, on va chercher ça. Je peux avoir une course. Non, je veux pas que ça soit. Qu'est-ce que c'est? L'hindouisme. Non. Tu as répété le trajet, écoute. Parce qu'avec lui, il faut qu'on fasse la guerre, c'est notre objectif. Ah, on est moins amis. On va faire un casus belli. Putain, je peux pas lui déclarer la guerre. Gagliamèche est plus fort que vous. Ah putain, c'est beau ça. On va pouvoir l'attaquer d'en haut. C'est trop bien. Vas-y, on va faire un aqueduc. On va le faire là. Ça va être drôle. Vous allez pouvoir faire une plantation, s'il vous plaît. Vous, c'est des catapultes. Mais tiens, les catapultes, on a besoin de vous. D'ailleurs, est-ce qu'on peut procréer quelque chose? Je voudrais bien des. Vas-y, on va faire ça aussi. Donc là, on est en train de créer vraiment notre. Vas-y, on va remettre des catapultes ici. Oh putain, on les entoure, c'est incroyable. Ah, on a un explorateur. Par ses propres mains. Vous avez raison de vous inquiéter. Ignorez cette demande. Vas-y, on va ignorer. On s'en bat les couilles. On est là pour nous. Tour de siège. Go. Unité. Alors ça, c'est quoi? C'est des bâtisseurs. Vas-y, go, on va aller là. On va créer une ferme. Voilà, comme ça, on aura du maïs. Et où est-ce qu'on pourrait s'installer? On pourrait mettre ici, quoi. Vous, passez par là, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Non, retranche-toi. Toi, il faudrait que tu sois là. Après, on pourrait envoyer des colons par là. Je crois que je vais faire un colon. Catapulte, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Reste ici. Reste ici. Ah non, toi, retranche-toi jusqu'à guérison. Vas-y, on va le recruter. Les guerriers victorieux gagnent d'abord et vont ensuite en guerre, tandis que. Ok, parfait. Les guerriers victorieux gagnent d'abord. Les guerriers victorieux. Ok, d'accord. Ok. Vous.
Oh, qu'est-ce qu'il y a? Non, 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 mais retranchez-vous. Alors toi, bâtisseur, d'ailleurs, bah ouais, tu vas casser ça. Et toi, tu vas me faire... Vas-y, t'as rien en plus. Vas-y, tu vas me faire un grenier pour me faire plaisir. Un monument. Un moulin à eau. Et tu vas me faire une plateforme commerciale. Go. Alors, toi, bâtisseur, tu vas me faire ça. Qu'est-ce qu'il me conseille là? Éducation. Go, on va faire ça. Obtenir des personnages. Recruter. Voilà. Est-ce qu'au niveau de Uruk, on pourrait avoir un casus belli? Ok, c'est parti. La guerre nous menace. Notre Ah. peuple est en danger. Ah ben voilà, Nous c'est ce qu'on devons souhaitait. immédiatement mobiliser une armée si nous ne voulons pas être écrasés. Non mais Il y a trop de morts. t'inquiète. TKT, on va pas se faire écraser, pas de problème. Si vous êtes en guerre contre une autre civilisation, il est préférable d'avoir suffisamment d'unités militaires à la fois pour protéger vos villes et pour combattre hors de vos frontières. Pour le moment, je suis... voilà. Char de guerre. Ah, ben goût, vos goûts, vous go, pardon. Vas-y, moi je rentre. Ouais, attaquez-le à distance. Putain, ça l'a rien fait. Ah si. Ah, c'est un éclaireur. Ok. La catapulte, non, tu vas aller là-haut. Merci. Alors, on va choisir donc fonction publique. Allez, go. Une production ici. Grande bibliothèque. Go, on va la mettre là. Campement, monument, aqueduc, zone industrielle. Vas-y, on va la mettre là. Oh merde, je me fais attaquer. J'ai complètement zappé. Ya! Putain, ils sont... sont chauds quoi. Vas-y, on va les défoncer. Allez, on l'entoure. Toi, tu pourrais aller là-bas, s'il te plaît. Mes archers, vous faites quoi? Non, mes archers, vous allez monter. Ouais, comme par hasard. Ah putain, on s'est pris un truc. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait vous. Vous. Oh putain, je me suis fait enculer! Ok, c'est pas la meilleure chose. Oh mais non, mais ça sert à rien de le tuer, lui. Oh mais putain, ils sont résistants. Vous, attaquez-eux. Oh, je me suis fait enculer. Oh. Oh là là, j'ai perdu un homme. Les guerriers, c'est pas forcément ça, hein.
Je crois que en fait, il faudrait plus des archers. Comme ça, on a des trucs qui tirent de loin. Donc on fera ça. On a des catapultes. J'aurais pas dû en construire trop. Parce que eux, c'est des archers. Ils sont assez bons. Ah ok, ils sont totalement trompés. Ah, fait chier. Vous. Ici. Oh, mais putain, mais comment on fait? Oh, mais c'est trop dur, hein, excusez-moi. Puissance, défense. Ah oui, par contre, leur défense, ils prennent cher. Défense, moins 7. Santé, moins 10. Ah ouais, c'est chaud en fait. Putain, c'est moi qui me fais des kidés. Ah, c'est trop drôle. Oh, le mec il s'en bat. Oh, le salaud. Bah non, ça m'a rien fait. Oh, mec. Oh, je suis tout seul. Vas-y, fais voir ce que ça va donner à catapulte. Ah ouais, ah ouais, ils ont plus de défense. Là, c'est la santé qu'il faut qu'on touche. Ok, l'utilité. Ah putain, il est presque mort. Ah merde. Mais vous faites quoi là? Ah non, non, on crée des archers. Ah oh, c'est génial, en plus on a eux. Ah ouais, ok, ils en ont deux. En fait, ils sont tous en train d'aller sur Ur. Ok. Santé moins 15. Oh yes, on en a enfin tué un. Vous essayez de casser. Alors il faudrait vraiment qu'on mise sur les catapultes. Hein. Parce que les catapultes, ça fait super mal. Hein. Putain, quand je les vois galérer. Juste parce que j'ai des catapultes. J'essaie d'utiliser. Ok. Qu'est-ce qu'il me commande? Étrier. Go. On va faire ça. Ok, il s'en va. D'accord, ça fait quoi? Expérience plus 6. Alors... Toi, essaie de l'attaquer, lui. On va voir si on peut le tuer. Ah, oh, ça serait con d'utiliser ça alors que j'ai un autre catapulte ici. Olé, ça, ça fait mal. Toi. Putain, ça va être trop long, hein, de les tuer. Bon là on est en train de les faire du mal mais bon. Bon après je protège même pas mes troupes hein. Moi je m'en fous hein. Franchement j'ai pas d'intérêt là-dessus. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va créer des catapultes hein, parce que les catapultes c'est super chaud. Ils ont du mal contre ça. Vas-y toi go contre lui. Yes! Allez toi t'es mort. Ouh. Oh, il y a lui qui va arriver. Lui, il va me faire chier. Allez, ça c'est fait. Ils sont presque morts à Uruk. Allez, ça c'est fait. Next.
On a détruit leur centre-ville. Maintenant, on va aller là. Hein. Et donc, qu'est-ce qu'on fait là? Il faut prendre cette ville en même temps ou pas? Je sais pas, j'ai pas trop bien compris au niveau de la guerre. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je me suis pris un truc. Oh le bâtard! Putain, ils sont en train de m'attaquer de partout. Oh. Mais c'est dingue, normalement cette ville elle est pas morte. Ah, mais je peux... en guerre. Ok, il nous reste encore un petit jour. Et c'est quoi la capitale? Ben c'est Uruk. Hein. Donc mieux vaut détruire Uruk. Vas-y, je dois casser qui? Je dois le casser lui. Toi aussi, va les attaquer. Vas-y, en plus on est en train de les amener. Allez, on va voir si toi tu peux survivre aussi. Tour suivant. Normalement là, c'est le tour où je peux gagner. Oh, putain, il a détruit un de mes archers, ce bâtard. Putain, mais ils font que de revenir, c'est chiant. Bonjour. Alors, mon offre. Attendez. Oui, cette forme, en gros, j'accepte avec joie. J'ai pas compris, en gros. Attendez, en gros, là... Ça, c'est moi. Moi, ça, c'est lui. Il me donne ça. Il me donne tout son or. Oh, Ur, ça m'appartient. Trop bien. En prenant leur capitale, mais c'est ce que j'avais fait, non? J'avais pas pris sa capitale? Putain, je comprends rien, je me fais enculer parce que je comprends rien. Putain, ça m'énerve. Bon. Putain, j'avais pris pourtant leur... Ah, fait chier, quoi, j'ai pas compris. Non, j'ai pas compris comment on fait pour aller prendre... Le centre-ville. Pourtant, j'avais détruit leur centre-ville. Bon, ben maintenant, Ur, ça m'appartient. Hein. Écoutez. C'est-on une bonne chose, hein? Non? Je trouve. Ah, oh, fait chier. Bon, c'est pas grave. Au pire, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je crois qu'on a bien compris les bases, sauf pour la guerre. Mais ça, je crois que je vais continuer un peu. Je vais faire un autre épisode, mais là, j'ai envie de manger. Il est 20h. Je vais vous envoyer juste une vidéo aujourd'hui. Ça va être la vidéo Civ 6. Ou au pire, je vous envoie toutes les vidéos Civ 6 d'aujourd'hui. Il y en aura 3. Ah, je sais pas comment je procéderai. Ah, au pire, je vous envoie 2 vidéos Civ 6 ou 3. Je sais pas. Écoutez, on verra. De toute manière, c'était une très bonne découverte. J'aime beaucoup ce jeu et on va en faire un LP.
En effet, donc si vous avez des suggestions, etc., etc., n'hésitez pas à me le dire. J'en ai besoin. Ça, c'est sûr. Donc, en tout cas, ben, nous, on se retrouve pour un prochain épisode. Je vous remercie de m'avoir suivi. Allez, tchou!